Très souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes dans la peur versus dans l'amour. Donc c'est une prise de conscience importante et fantastique d'ailleurs pour un éveil en soi. Il n'y a pas de différence entre la conscience universelle et Dieu. Si vous voulez, Dieu est un émetteur d'âme, par exemple, et un émetteur d'ondes de conscience. Dieu est la source, quoi. On l'appelle ce qu'on veut. Et on n'est pas du tout obligé d'être croyant. On pourrait dire aussi qu'on crée notre réalité. C'est un concept clé chez Seth. C'est un concept qui revient, mais précisé, c'est-à-dire que l'on crée notre réalité en fonction de nos croyances.